Ok, allez, on est de retour sur Wario Land 2. Il nous reste deux chapitres à faire, normalement, si ça a bien sauvegardé. Ouais, voilà ici, donc j'ai toujours mon petit guide sur le côté. On a ces deux branches à faire et le niveau final à la fin. Ouais, total, donc ouais, le jeu, ça sera donc Amnesia The Bunker. Voilà, qui est sur le Game Pass et j'en ai profité pour le faire. Alors attends, on est top, hop, ici. Donc on va faire celui-ci normalement, le 4-4. J'ai noté où se trouvait l'accès secret. J'ai rematé une map avant de commencer le live d'ailleurs, pour être sûr. Et puis voilà, on va essayer de trouver ça quoi. Alors faut que je reprenne un peu la main. Ouais, c'est le dernier qui est sorti. En fait, c'est cool quoi, le jeu est sorti en même temps, c'est sorti sur le Game Pass. Enfin, en Day One quoi. Et ce qui est bien, c'est que pour ce Amnesia, t'as pas besoin de connaître la série quoi. L'histoire est simple. Ah oui, non, je peux pas y aller parce que le tapis roulant. Par contre, je peux peut-être faire ça. Non. L'histoire est simple et puis voilà. En tout cas, très bonne ambiance, mais il y a des choses qui m'ont un peu fait rager, quoi. Attends, comment je fais là? Ah bah, il faut que j'aille là, tout simplement. On a vu que la porte de sortie était à droite, hein. Mais bon, on va falloir inverser le sens des tapis roulants. Ouais, ça commencera vendredi, pas celui-là mais l'autre. Ah non, ça sortira pas. Non, ça va pas sortir le 31 mais un peu avant. Je sais pas, la deux têtes. Le jour ça sera, mais ça sera le. Je commencerai le vendredi. Parce que ça sera en trois parties. Donc je vais faire vendredi, lundi, vendredi. Je fais un truc comme ça. Attends, j'ai tourné ça, mais. Ensuite. Bon, faut que j'arrive à revenir là. Ça m'a servi à quoi là? Par choper des pièces? Comment je reviens? Attends. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Attends, pourtant on l'a fait ce niveau. Non, je pense que c'était peut-être que pour des pièces. Est-ce qu'il y avait une porte à droite? J'ai pas fait gaffe. Faut que je me concentre un peu quand même. Pas. Si je peux faire ça, voilà. Enfin, si je... Oui, non, c'est ça. Hop. Alors, j'ai pas vraiment regardé. Par contre, par curiosité, j'ai juste regardé la longueur du jeu. Tu sais, en cherchant Sonic Superstars Long Play. J'ai vu... En général, ça se finissait en 3h, 3h30. Ça me paraît quand même court, hein, pour du 60 euros. Enfin, moi, je l'ai vu à 60, hein, pas 50. Hein. Après, peut-être dans des magasins, c'est à 50. Mais sinon, le vrai prix, c'est 60, quoi. Ce qui est excessif. Alors, attendez, je crois que c'est là, normalement, l'accès secret, là. Pour aller au chapitre. C'est juste que j'aimerais dégager ce con, là. Hop, voilà. Ah, voilà, donc fallait péter ce bloc violet, ici. Et après, faut progresser comme on peut, au maximum à gauche. À péter encore. Bon, ça évidemment très difficile à trouver quand tu connais pas. Et donc normalement ça doit se trouver dans cette pièce, je sais pas trop comment y arriver pour le moment. Il faut se faire écraser. Ok. Salut Root, comment ça? Ah, le Mario, ouais, il a l'air cool, mais par contre celui-là je le prendrai plus tard. 5 heures, d'accord, je l'ai pas vu. Toi, tu dégages. Oh, je crois que ça va plus vite si on saute un peu. Hop, la petite goutte pour se remettre. Et voilà, on va pouvoir commencer le chapitre.
plusieurs stories avec plusieurs persos. Ah. Ah oui, donc c'est peut-être que ça allonge un peu la durée de vie, ça. Mais j'ai pas vu d'image. Hein. Je le prendrai, mais plus tard, quoi. Il aura baissé, quoi. C'est pas possible, là, ce prix-là. Ah, Strife me suit sur Xbox. Mais pourquoi ça me fait cette alerte, là? Attends, mais les alertes Game Pass, tout ça, c'est très bizarre. Ça marche pas, parfois ça marche. Bon, du coup, attends, je quitte ça, comme ça on en aura plus. Parce que bon, ça fait un son Windows, c'est un peu dégueulasse sur la capture. Et je comprends pas, ouais. Les notifs sur Game Pass, enfin sur Xbox, ça marche très bizarrement sur mon PC, quoi. Alors, donc... Suivre Sirup là dans toujours dans cette usine de mort. Ok, donc lui nous a bien rejeté là. Donc tout va se passer dans cette usine, quoi. Ouais, c'est ça. L'usine mystérieuse. Oh, on va encore buter notre pote. Bif. Quoi ça? Ah non, c'est B1F. Bâtiment B. Floor 1, enfin, premier étage. C'est marrant. T'as des notifs au pisse de la part du Game Pass. Ouais, non, mais c'est bizarre. Hein. Je sais pas comment c'est foutu, quoi. DLC Frontier, a priori, super dur. Les gens se plaignent de la difficulté. Ah ouais? C'est quoi, mais tu refais le jeu en difficile? Ouais, je t'avoue que là, je serais pas trop motivé, quoi. Même en espagnol. Putain. Ok, donc là il y a rien. Il y avait juste des pièces. Est-ce que je peux passer sous l'ascenseur? Ok. Alors, faut que je fasse gaffe, hein, un écran. J'ai mis le cinquième écran. Je sais même pas si j'ai fait un écran là. Je crois que oui, mais merde, putain, il était face à moi. Je reconnaîtrai le screen au pire. Je vais montrer là. Je vais quand même juste voir ce qu'il y avait en bas à gauche là. Je sais pas si... Ouais, il y a aussi un chemin là. Ah, ça va être un peu labyrinthe ici. Bon, écoute, on va prendre ça, on verra. Putain, merde, ça va être les relous. De toute façon, là, il me faut des pièces. Ah non, mais c'est bon, 153. C'est bon, on est large. C'est des nouveaux niveaux. Ah d'accord. Putain, mais gratuit. Il est gratuit ce DLC ou je demande trop là. Parce qu'il y a eu un DLC. Ah merde, mais je crois que c'était un bloc ça. Il y a eu un DLC gratuit là quand j'avais fini le jeu qui permettait de dépenser tous les jetons en un coup là. À un personnage là, je sais plus trop. Alors que moi je me suis fait chier à dépenser les trucs un par un, quoi. Et le patch était arrivé un jour après que j'ai fini le jeu. J'étais dégoûté. Ok, c'est bon. Ok, donc c'est qu'un endroit pour les pièces, donc on va descendre. On va aller sous l'ascenseur, là. Putain, j'ai juré que j'avais sauté avant. Si on pourrait descendre. Oh, il y a une pièce bizarre. Ah oui, non, c'est vrai qu'il y a... il y a l'autre qui me pêche là. Ah putain, puis là je suis retourné au début là. Les DLC sont gratuits en fait. D'accord, putain, c'est marrant ça. Qu'ils en fassent autant, quoi. Ok, donc c'est des pièces en fait. Merde, oh non. Ouais, ça, c'est... on y a été là. Je dis que peut-être qu'il y a un petit secret si on se laisse prendre par un ennemi, et non, pas du tout.
contre, il y a peut-être un truc. Une porte cachée. Non, non, faut continuer à descendre. Là, par contre, il n'y a plus rien. Là. Ok. Ce qui m'inquiète, c'est que normalement, le secret se trouve au B2F. Et là, on est au B5. Sauf qu'il n'y avait vraiment pas d'autres... chemin quoi. Oh merde, ça va être chiant. Ah, tu peux pas lui foncer dedans. Bon, écoute, pas grave. C'est tout bien ça, non? Ok. Ah putain, alors là, il faudra pas se faire toucher, effectivement. Sinon, comme on est projeté, on retombe tout en bas. Putain, sympa ça. Ah non, il faut pas sauter en fait. Ça revient pas? Je descends d'un coup là? Ah ouais, d'accord. Ok. Ah, on est peut-être pas si loin là. Enfin, c'est pas l'écran que je vois encore. Ah, attends que je vous lise. Souvenez qu'il y a Lord of the Fallen. Oui, c'est pas trop mal. Le premier jeu était pas terrible du tout. D'accord. Jamais fait hein, le premier. Après bon, celui-là, franchement, je le ferai mais vraiment plus tard, peut-être dans un an. D'habitude, je fais un Souls par an, quoi. Donc là, l'Ice of Pi, c'est bon, quoi. Après celui-là, je fais une pause, quoi. Quatrième ascenseur, c'est ce que je me suis mis. Normalement, ouais, c'est là. Bah ouais, ouais, et puis bon, c'est toujours bien de regarder pour plus tard, quoi. Faut un petit cooldown, quoi, pour moi, en tout cas. Ouais, Roots, c'est vrai que t'enchaînes, quoi. Après, bon, c'est vraiment ton style de jeu, quoi. Ce que tu m'avais dit, hein, que t'adorais ce genre de jeu. Moi j'aime bien, mais c'est pas non plus... voilà, choisir, je préfère un Doom qu'un Souls, quoi. Alors lui... Ah lui, il va être un peu plus chiant. Sauf si je le coince là. Non, attends. Bon, on pourrait l'avoir efficacement, lui. De toute façon, il sert à rien, hein, sérieux, là. Toujours à rien ce boss quoi. Je veux dire, mais tous ne se valent pas, ouais, je suis d'accord. Moi j'aimerais bien une ressortie de Bloodborne. Hein. Que sur PS4 là j'aurais du mal à y rejouer. À cause du 30 FPS, mais aussi comme ils appellent ça les frame pacing là, qui est... je crois que c'est ça le terme. Qui est assez dégueulasse quoi. C'est 1. C'est que 1 ça. Ouais. Ouais, j'espère. Ah tiens, c'est marrant. Ah, j'ai fait un chapitre un peu plus loin que l'autre. Enfin, je veux dire, j'aurais pas dû faire celui-ci en premier. Comme chapitre. Bon, après, ça change rien. Hein. Je veux dire, ça, c'est pas trop grave.
Mais c'est bizarre, vu que je suis dans cet ordre-là. Pour eux, j'aurais dû faire ce chapitre-là, là, qui va sur la gauche, plutôt que là. Alors que c'est au-dessus, enfin c'est bizarre. Bon, c'est pas bien grave. Alors, attendez, hop, le guide. Donc là, c'est au dernier écran. Là où il y a la sortie, c'est en haut. Ok, c'est bon, je vois par rapport à l'image. Donc c'est clair que je vais peut-être galérer un peu sur ce chapitre. Hein. Si on est tout le temps dans l'usine avec les tapis roulants, tout ça, c'est... Ça va peut-être être casse-couille. Hein. Là, je pense qu'il faut changer le sens. Qu'est-ce que c'est que ça, là? Bloc électrique. Ah, d'accord, c'était que pour les pièces, mais attends... Comment je vais passer, là, le tapis roulant? Je vois pas de trou sous les ascenseurs, là. Ah si, ah oui, d'accord, faut juste bourriner. Ça va pas jusqu'en bas non plus. Ok, 110 pièces, on est bien. Et on attend toujours les nouvelles d'un DLC pour Elden Ring. Ah, ils doivent bosser dessus, hein, mais je pense qu'ils font un truc costaud. Hein. Faut être patient, quoi. Merde. Sinon, en route, j'ai terminé, ça y est, aussi, hier soir, le Metroid Prime Remaster. C'était très très bon, le boss final m'a un peu cassé les couilles. Je me rappelais plus trop du boss final et... Putain, je me paumais, là, à trouver le... la bonne vision, là, pour le repérer. Mais je l'ai bien aimé, quoi, au final. Hein. Par contre, je suis deg, parce que, tu sais, j'avais préparé un petit truc pour... une checklist pour toutes les choses à analyser, tout ça, donc je savais qu'il y avait des choses qui étaient manquables. Mais il y a une créature que j'ai ratée. Je pensais qu'elle allait réapparaître et en fait plus du tout. Donc en fait j'ai fini à 98%. J'étais deg. Bon après tant pis hein. Refait, bah ouais, je sais pas. Ça m'emmerde un peu. Ah, ça va être là déjà? Ok, donc ça va être ici. Ah bah ok, bah très bien. Voilà, c'est ici. En fait, fallait éviter la chauve-souris, absolument. Et donc, on est bon. Ça, c'était pas très planqué, là, cette salle. Alors, le canard. Au même endroit. En fait, c'est là qu'il y a la sortie, mais il faut être écrasé. Sinon, faut reprendre ça et on refait le tour. Alors, attends, je vais me foutre écrasé. Par contre, ça a l'air ultra chaud là pour entrer dans à la sortie. Là. Enfin, quand je vois le screenshot. Ah bah d'accord, déjà ça commence bien. En fait, c'est juste en dessous. Ah ouais, ça va être bien. Je pense pas qu'il faut se planter une fois. Oh putain. Et là je pense qu'il faut tout remonter pour retenter sa chance. Je sais plus par où je suis rentré d'ailleurs. Peut-être là non? Ouf. Ouais ok c'est bon. Cauchemar là, putain, faut que j'arrive à passer là dans le tube. Alors j'espère qu'on. Ok. Calme, calme. Merde, d'accord, fallait remonter là. Oh l'enfer. Bon, je réessaye un ou deux coups, après j'y vais. Coup de save state, hein, on va pas se faire chier non plus. Bon, une save state, je veux dire, au début de l'écran, quoi. Parce que chaque fois, faut tout remonter là.
Putain, c'est relou. Voilà, c'est bon. Ah, du coup, sur Switch, je sais pas, je vais peut-être me faire le Luigi's Mansion 2 là. Ou continuer le. Un petit Picross. Je vais alterner entre les deux. Je vais attendre hein, pour le Mario. Oh, il faut faire haut et saut. Il faut que je sache aussi un peu les prochaines sorties là. Sur Switch, hein, le WarioWare, le Super Mario RPG. Ok, je suis allé là. Fallait pas. Fallait attendre encore. Putain, mais il faut que j'aille en dessous, mais je peux pas là, d'ici. Merde, ah bah voilà, je me suis fait choper. Bon, je fais une save state en étant en haut. Par contre, c'est quoi ce chemin de fou là qu'il faut faire avec le. Putain, j'arrive pas à rentrer. Ah oui, c'est le 3, pardon. C'est le 3 sur Switch, le Luigi's. Pour le Luigi's. T'as pas l'air content que la Fnac t'ait envoyé le truc. Hop, je refais une là. Attends, je vais en faire juste une même. Ici. Oh, ça m'étonnerait que ce soit un mauvais Mario quand même. Ah, tu t'attends peut-être à un. Plutôt un Mario Odyssey ou. Ah, ça marche en faisant ça, c'est cool. Par contre, comment je vais. Je crois qu'il faut que je saute là pour aller. Ah, oh, c'est bon. Yes, c'est bon. Ouh. Oh l'enfer. Putain. Pas évident là ce. Cet écran de fin là. Est-ce que c'est un peu mieux que le 2? Le Luigi's Mansion là. Parce que le 2, bon, il était très sympa sur 3DS, mais je préfère le premier. D'ailleurs, j'aimerais bien le redécouvrir le premier, mais bon. Est-ce que ça pourrait valoir le coup que je fasse ça? Je sais pas, en stream ou autre, mais je m'en rappelle tellement pas en fait. C'est le mieux, d'accord. Cool. Ouais, non, mais le 2, j'avais bien aimé, même si le système, que ça soit par niveau, je trouvais que ça cassait un peu, quoi. J'aimais bien le côté un peu bah, exploration du premier, où vraiment tout se fait en un coup, quoi. Si je dis pas de bêtises. Hein. J'ai le souvenir de ça, en tout cas. Un étage, un thème. Ok, d'accord. On verra bien. Alors ici, ok, bon, ça se joue encore sur la fin du niveau. On va pouvoir faire une action et pour pouvoir atteindre la salle du mini-jeu. Donc là, pour l'instant, on peut s'amuser à faire le niveau tranquillement. Et à choper les pièces surtout. Oula, attention. Ah, il y a une flèche au fond hein, qui me dit d'aller à droite. Attends, je sais pas où je peux aller. Je peux pas aller autre part non plus. Ah merde. Ah. Ah merde. Bon bah. Ok, je me fais embarquer là par les courants. Bah, je suis au début sans doute. Bon. C'est compris. Faut choper un ennemi. Pour casser le mur et sans doute. Couper le robinet là. Ah, pour ça, il n'y a plus de courant. Pas de lien entre les niveaux comme le 1.
après. Je verrai, hein, mais bon, il va me plaire. Le 2, j'avais bien aimé, attention, hein, je dis pas que... Je l'ai détesté, hein. Je suis à 58. Oula. Qu'est-ce que c'est que connerie là? Une porte... Faut remettre de l'eau? Non. J'ai tué les deux. Bon. Ok, là j'ai rouvert le robinet. Ça fait quoi si je vais là? Ok. Hop. Tu fais ça pour découvrir la licence? Parce que putain, faut que tu dises ça. Tout le monde, enfin tous ceux qui adorent Pokémon trouvent ça bien quoi, mais qu'importe la version quoi. Alors allez, je vais le monter. Alors c'est vraiment que le... Oh merde. Ah ok, bon, ça me permet d'avoir ça. Ouais, d'accord. Donc tu connais bien quoi. T'as déjà joué à des Pokémon. Moi, je dis, le seul que j'avais testé c'était le X sur 3DS. Oui, je crois que c'est 3DS. Ouais, j'ai même pas tenu j'ai même pas tenu une heure quoi. Ah, c'est là. Donc là, faut que je sois cramé là. Oh putain, ça va être chaud là. Putain, faut que je sois cramé, que j'arrive à aller au-dessus. Ouais, ok. Faut faire doser, hein. Sauter plus haut. Ouais, parce que je sais pas où. Vite. Voilà, là je suis bien. Faut attendre, je crois. Ok. J'ai accéléré. Donc là, j'ai désactivé le robinet en dessous. Parce qu'en fait, ça crée un courant qui fait que je peux pas atteindre la salle du petit jeu là. Juste falloir que je retrouve où c'est. Bah c'est normalement c'est à droite. Voilà, ici il y a une porte. Et avant il y avait un courant qui était tout autour. Et ça m'empêchait d'y aller. Quoi. Ok. 4 ou 5 en ligne droite, d'accord. C'est quoi? Ah oui, c'est le petit celui-là. Juste à côté. Ah, t'avais joué au tout premier à l'époque. Ah ouais. Tu l'as découvert vraiment à sa sortie, quoi. Après, j'avais pas de Game Boy, quoi. Enfin, si, j'avais... On m'avait prêté à Game Boy, j'avais fait le Zelda Link's Awakening et quelques autres jeux. Et Pokémon, non. Hop, alors, ici. On a quand même pas mal de thunes, hein. Je pense que ça va être ok pour jusqu'à la fin.
au moins ça, ça devient pas plus cher au fur et à mesure qu'on progresse. Donc là c'est un 7, un 3. 7. Grand fan de la science, ça va forcément plus donner envie de le faire. Ouais, j'ai lu, alors très vite fait, hein. J'ai pas eu trop le temps, mais j'ai vu qu'il a donné son avis. J'irai lire ça tranquillement après. Mais apparemment, ouais, c'est pas. Valhalla, c'était trop, too much, et celui-là, c'est pas assez, quoi. Après, le prix était pas non plus max, au max, quoi, mais. Il attendait un peu plus, quoi. Mais celui-là, ouais, je le ferai également plus tard. J'ai le Valhalla à faire déjà. Et bon, ça faut être préparé quand même. Avant tout. Alors celui-là, il se trouve également à la sortie. Ouais. Ok, il faudra aller en haut à droite. Ouais, la chouette folle. Putain, t'as intérêt à bien t'accrocher là. Voir ce qu'il y a là. Bah ouais, je sais bien. Merde, y a un ennemi là. Oh, je l'ai shooté. Non. Attends, attends, ouais, faut tout déblayer parce que ça va se cogner au plafond. De pièces là, comme ça on sera tranquille. Allez, c'est parti. Voilà, 100 pièces. Puis maintenant, on va suivre les flèches. Quand t'es complètement complétionniste comme nous, c'est l'infini. Ouais, c'est le problème. Le problème des DLC, c'est que quand... Enfin, pour moi, hein, mais quand t'as fait le jeu de base, on va dire entièrement, à 100%, le DLC, t'as pas trop envie d'enchaîner dessus, quoi. Vraiment plus tard, quoi, ce que je veux dire, mais... Le problème, c'est que pour certains jeux... T'es presque obligé de faire le DLC par la suite parce que bah, on va dire que t'as encore le skill dans tes mains, enfin dans tes doigts. Que si tu le fais plus tard et que tu sais plus du tout manier le jeu, bah c'est l'enfer quoi. Mais bon, si tu fais le jeu à sa sortie déjà, t'as pas le DLC quoi. T'as presque un impact, c'est pour ça que c'est très rare. Bah après sinon t'es patient, si vraiment t'es pas pressé de faire le jeu, tu l'as pas acheté et tout, t'attends la version GOTY. Dedans t'as tous les DLC, bon, c'est pas forcément dans tous les jeux qu'il y a ça quoi, mais... C'est vraiment si t'es pas pressé quoi. Mais là, si je me fais électrocuter, je refais tout le niveau là ou. Bon, ça se passe, là, je descends à l'infini quoi. Ah, on y est. Alors là, est-ce qu'il faut que je prenne un. Ouais, faut que je prenne un petit bonhomme. Ok, ça passe. Tiens, pour le plaisir. Normalement, ça va être là. Voilà. Oh putain. Ça y est, ça commence les emmerdes. Ok, c'est bon, dégage. Ouais, c'est clair. Bah, je me rappelle quand même que pour Odyssey, j'avais fait tout le jeu à fond, à 100%, et j'ai enchaîné avec les DLC derrière.
fait une petite saturation sur le dernier DLC, hein, le deuxième. Il était excellent. D'ailleurs, il était vraiment meilleur que le premier DLC pour moi. Mais waouh, j'en pouvais plus, quoi. Après, ça me parlait bien, quoi. C'est l'univers de d'Odyssée, quoi. Ça, d'ailleurs, c'est que j'ai apprécié le l'Immortal Phoenix Rising, quoi. Enfin, qui est plus Breath of the Wild que Assassin's Creed. Revenir là, parce qu'il nous faut une petite bestiole pour péter ce mur. Voilà. Ouais, ouais, bah je sais ouais, qu'ils l'ont annulé. C'est dommage quand même. Franchement, il est excellent quoi, ce jeu. Bourré d'humour et tout. Le combat était bien dynamique, je trouve. Enfin, tu sentais que tu tapais fort quoi. Ça. Alors ça m'a pas gêné la VF. Bon, je pense que c'était mis en VO quoi, mais j'ai pas trouvé ça non plus dégueulasse à fond quoi. Ok, c'est bon. Ah, peut-être. Alors, je saurais même pas qui dire quel personnage il a fait, quoi. Il a fait Zeus ou. Attends, c'est quoi là, ici? Ok, troisième écran. Il va falloir que je me fasse toucher par un ennemi. Pour atteindre la salle. Le problème, c'est ouais, quelle porte, quoi. Bon, on verra. Je devrais reconnaître l'écran. Pas mal. Non, ça c'est moins bien. Ah oui, alors ça je prends. Oh putain. Bon, bombarder là, c'est con. Tiens, c'est là. C'est ça, cet écran. Merde, j'aurais pas. Attends, alors lui, faut pas que je le tue. Lui, il te transforme en ressort. Et en fait, il va falloir que je sois transformé en ressort. À ce conduit là. Ici, là. Donc... Ah merde. Ah, c'est bon, je passe pas. Et si tu fais ça, je saute plus haut. Ok. On est bon. Puis ici, faut que je me laisse. Ah, mais j'ai passé. Si, si, j'ai 89. C'est bon. Donc ça va le faire. Faut juste que j'attende de redevenir normal. Et salut, monsieur Moa. Merci beaucoup pour le raid. Comment tu vas? Hop, normalement. Putain, ça marche du premier coup, c'est bien. T'étais sur Hollow Knight. Ah, tu te prépares pour Silksong, hein, bien sûr. T'inquiète pas, hein, ça arrive. J'espère que tu vas bien. Putain, faut que je le fasse en hard. Bah, écoute, là... En hard, là, je me permets de faire notre state si je le foire, parce que bon. Ah bah d'accord, nickel. Putain, j'ai de la chance, hein. Je regarde tout le temps la même case, et là, ça tombe pile sur celle-ci, quoi. Bon, on a le trésor, donc on peut sortir de là. Et je crois que c'est le cinquième. Oui, c'est le cinquième niveau, donc... Alors, c'est forcément un petit boss à la fin. Et également une fin. On va sortir de là, je pense. Ou alors, attendons. On va aller là, je pense. Ah, faut que je me fasse taper, là, je crois. Ça s'est bien passé, ton live? Vite parce que c'est vrai qu'il redevient normal à un moment donné. Putain. Ok, c'est bon. Ah, il y a des règlements de compte apparemment.
La nouvelle Arlésienne, j'espère qu'il finira mieux que Duke Nukem Forever, ouais, j'avoue quoi. Ouais, t'en es où dans Hollow Knight? Ah, tiens, sirup. Ça va être l'énigme. Ah, d'accord, ah, sympa. C'est quoi le chemin que je vais devoir refaire là? Non, je suis con, c'est à droite. Chatbug, je reçois pas de message, je suis dégoûté. Comment ça? Du coup, pas concentré, j'ai rage quit. Ah merde, tu recevais pas les messages de tes viewers? Ouais, du coup, ça t'a saoulé quoi. Ouais, je peux comprendre. Je sais pas comment j'ai fait là. Et... putain. Sauter dessus. Putain. Ouais, je l'avais fait. Je l'avais fait Hollow Knight. Je crois que j'ai même fait une vidéo de défi où j'essayais de le finir pour un succès. Je sais plus lequel d'ailleurs. Peut-être le speedrun. Enfin, le speedrun. Le succès speedrun, hein. C'est pas un vrai speedrun hein, non plus. Par contre, j'avais pas fait là les gros trucs à la fin de l'enfer. Putain. Intéressant ça. Attends, je vais regarder son mouvement avant parce que... oh, c'est dégueulasse! Putain, bah ça, quand tu le sais pas, laisse tomber quoi. Je crois que je vais faire une save tête quand on arrive au boss parce que je vais me péter la gueule souvent. Ça va être casse-couille. Donc sa première forme déjà, je la passe un peu au pif quoi. Putain mais rentre. Allez hop, on fait ça là. Merde putain, j'étais en train de dire. Non, bah je l'ai pas fait, toi, hein, je crois pas. Hein. Bah, je te dis, je crois pas, mais même je suis sûr que je l'ai pas fait. Quoi. Putain, je fais de la merde. En même temps, il m'a pas pris mon input là. Hein. J'ai fait un dash, il a juste sauté quoi. Ah, c'est ça que je voulais faire. Il est arraché. Bien. Oh putain. Mais what the fuck? Voilà. C'est quoi le truc là? C'est qu'il faut sauter au moment où ça tombe? Super. C'était vraiment pour te troller le dernier. Ok,
message sur l'application Twitch, ils me disent qu'il faut envoyer un bit pour avoir la page principale. Hein? Comment ça? Shantae qui est... Ouais, c'est une sorte de Shantae, ouais. Très mauvaise dans ce jeu. Qui emmerde Wario. Ah merde, ça pouvait être 7. Attends, bah, tant pis, je vais faire ça. Ah putain, c'est 7. Bon. Quel con, je suis allé trop vite. Ah, j'avais pas envie de refaire le niveau. Free to play, non mais attends, sans déconner quoi. Ah, c'est que sur l'application. Mais c'est nouveau ce truc ou quoi, enfin, j'ai pas vu d'annonce là-dessus. Ouais. Ça s'améliore pas. Oh, je sais pas, il m'a envoyé un mail là dans l'après-midi disant que maintenant je pouvais faire des stories sur Twitch. Encore une fois, hein, il se court de personne. Hein. Bon, cette fois on les a dégagés des égouts. Je sais pas, on est ressorti. Et on a récupéré notre pognon. Alors, par contre, je vais faire un petit coup d'accélération là parce que on commence à connaître les crédits de fin. C'est juste que ça change. Normalement ça change l'animation, mais ça on l'a déjà vu hein, je crois. Le Wario qui revient avec ses sacs là. Donc, je vais accélérer des petits coups, puis on verra si ça change. Je me rappelle pas s'il était sur une chouette, je me rappelle plus hein, des fins, mais ça se ressemble pas mal quoi. Ça y est, Twitch va se mettre aux shorts. Alors je sais pas si c'est les stories, hein, pour... je sais pas si c'est le nom pour les shorts, mais si c'est des shorts sur Twitch, enfin tu fais un live d'une minute, à un moment donné faut s'arrêter quoi. Quel est l'intérêt de faire un live d'une minute quoi? Non mais je pense pas que ce soit ça quoi. C'est... Voir vraiment, on touche le fond, enfin, de toute façon, on est habitué, hein. J'ai encore un short d'une minute. Il faut que tu fasses du montage de ouf pour que ça devienne, ça soit intéressant d'une minute. Et sur Twitch, je peux pas, à part si tu le prépares en avance et que tu fais juste play, hop, tu le diffuses une minute et c'est bon. Ce sera juste des extraits en mode clip repris sur la page principale. Oh là là, putain. Bon, je laisse ça aux jeunes, hein. Ça m'intéresse pas, quoi. Tant pis, hein, ça fera... Ça fera partir plus de monde de ma chaîne, hélas. Mais bon. C'est pas grave. Ça, des piafs, on l'avait déjà vu. Le château. Regarde si ça change un peu. Ok, fin, on est à 90%, puis on voit là le résultat. Bon, pour l'instant, on avance bien. Donc reset Game Boy, attends, comme ça. Hop hop hop, continue. Et on peut donc faire la suite. Alors, je me mets juste le, ouais, le guide. Ok, donc là, ça sera la droite de la porte du boss ici. Ouais mais bon, j'ai... On sait hein, que c'est de la merde, hein, mais beaucoup aiment ça, quoi. C'est ça le problème, c'est... je comprends pas. Enfin bon, je cherche pas à comprendre en même temps. Alors, je vais d'abord me prendre un peu de pognon. Hein.
Hop, alors. Ah, c'est ça. Ok, j'ai assez de sous, ouais, 110. Enfin, faut pas trop que je me fasse toucher, quoi. J'arrive à une fenêtre, alors je sais plus laquelle, putain, ça y est. Je dis ça et je me fais attaquer. Est-ce que c'est là? Ouais, ok, il y a le boss. Et en fait, faut aller à droite, mais pour aller à droite, donc... On essaye comme ça, ça marche pas. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut un ennemi. Qu'avec un ennemi... Ah oui, il faut le faire sauter. Vas-y, avance. Y'a qu'avec ça qu'on peut péter le mur. Quoi. Voilà. Encore une chose à savoir, quoi. Et c'est parti. Alors il a l'air sympa ce chapitre, hein. J'ai l'impression que c'est un... On va être dans un manoir un peu avec des fantômes, quelque chose comme ça. Oui, donc là on joue pas puisque j'étais dans le niveau normal. Et voilà, là on commence le dernier chapitre. Voilà, petit manoir hanté sans doute. Ils flippent tous, mais ils y vont, quoi. Ah, le Giant Spearman. Notre pote. Alors ici, j'ai mis quoi? Oh, putain. On est sale avec peinture en bas à gauche. Putain, j'ai mis ça. Ça doit être là. Je pensais que les peintures, c'est les portraits, en fait. Putain, je comprends même pas ce que j'ai voulu dire, quoi. C'est triste. Ouais, je pense que je le prendrai. Ah bah tiens, là je monte. Ouais, bien sûr, celui-là, je pense que... Ouais, il risque d'être sportif, hein, celui-là, puisque ça va utiliser... Là, cette fois, ça utilise vraiment les fonctions de la Switch. Ça risque d'être rigolo, quoi. Attends, par contre... Attends, qu'est-ce qu'il y avait en haut, là, qui m'empêchait? J'ai pas fait gaffe, là, j'ai avancé un peu. Qu'est-ce qui me bloquait, là? Rien. Bon, déjà, là, faut allumer la lumière, là, pour voir les plateformes. Je suis pas sûr qu'on soit censé... Porte, là. Non. C'est bizarre parce que je crois pas que j'ai d'autres endroits. Ah tiens, lui. Il s'y fout là, lui. Bah, ils étaient pas là, eux. Si. Ah, il y avait personne. Ouais, c'est dans cette pièce, normalement. Ah oui, il y a le truc qui te transforme en zombie, là. Ah bah voilà. C'est bon. J'ai combien? J'ai 41. Ouais, je pourrais y aller en fait, mais. Ouais, il me faut au moins les 50 pièces là. J'essaie de me trouver 50 pièces et j'y retourne. Normalement, je devrais allumer la lumière, quoi, mais je sais pas où aller. Et j'ai peur de rater, en fait, d'oublier cette salle. Et même les fantômes te transforment. Bon, par contre, les fantômes, tu peux pas les dégager comme les zombies. Donc, il y a pas mal de sous là.
Oh mais allez. Ouais, oh, putain, ça fait longtemps que j'y ai pas rejoué à F-Zero. J'avais bien aimé, mais vu que je connais très mal le jeu, si tu veux, je finissais tout le temps. Bah, très. 60e, un truc comme ça, quoi. Faut connaître le jeu hein, pour vraiment s'en sortir. Ok, c'est bon. Alors, je vais faire ce que j'ai dit. C'est un peu cheaté hein, ce que je fais, puisque non, je suis pas censé voir les. Oh, j'ai perdu les pièces. Putain, non, c'est bon. C'est encore bon. Attends, c'est chou quand même. Oh putain, c'est pas vrai. J'y étais et puis j'ai fait de la merde. Non, attends, dégage! Oh putain! Voilà, c'est bien. Maintenant, faut retourner là. J'accélère parce que c'est lent. Hein. En zombie, c'est très très lent. Et la porte est par là. Voilà, elle est là. Mais c'est très bien ce qu'ils ont fait pour F-Zero, hein. Franchement, c'est quand même assez fun. Mais il faudrait que je m'entraîne à mort, quoi, pour vraiment l'apprécier. En tout cas, je compte pas faire un top 1, hein, clairement. Bon, j'ai rien vu, je remets. Ok, c'est le premier. Ah voilà, je préfère largement, parce que bon, je connais vachement plus Tetris 99, quoi. Mais je regarde les vidéos d'MV hein, sur F-Zero. Je regarde quelquefois, je trouve ça cool quoi, parce qu'en fait, on sent qu'il est en mode compète quoi. Et ça me fait plaisir quoi de le voir se battre quoi. Un peu comme quand il faisait ses speedruns là de Mario Odyssey, moi j'aimais bien le voir s'entraîner. Là, on sent qu'il est vraiment à fond là sur le F-Zero et je trouve ça intéressant à voir quoi. Il se débrouille bien. Mais par contre, putain, ouais. Parfois, il a la rage, quoi, quand il rentre dans un GP et qu'il meurt à la première course parce qu'il a trop bourriné, quoi. Mais en même temps, t'es obligé, hein, si tu veux. Putain merde, si tu veux faire un bon score, t'es obligé. Oh. Ok, je suis obligé d'y aller en étant Wario normal. Putain c'est chiant parce que là, c'est les fantômes là, quand ils sont synchro. D'accord, putain. Ouais, hop. Je l'ai pas vu. Bon, ça y est, je fais de la merde. Je te fais ça quasi first try et là, je passe même plus le premier, quoi. Ouais, non, ok, bon, bah, ça y est, je bug. Attends, on va se concentrer. Oh putain, et l'autre qui me tombe pile à ce moment-là, quoi. 116 wins. Moi, j'ai vu sa vidéo où il gagne enfin parce qu'il cherchait à voir ça la Queen League. C'était vraiment sympa à voir. Et là il y a le King League qui va arriver demain visiblement et là je pense qu'il va s'entraîner à fond quoi. Bon je peux le passer ça? Qu'est-ce qui se passe? Ça je l'ai passé sans réfléchir tout à l'heure et là là je galère comme pas possible quoi. Voilà, merci. Oh, c'est un passage de merde, là. Allez, c'est bon.
Comment je passe ça là? Ok. Allez, barrons-nous de là. La vache. Un peu chiant. Du coup là, il fait jour ici. Enfin, il y a de la lumière. Je l'ai shooté. Il aurait pu être là. Ouais, normalement, j'ai mis la lumière là et je devrais faire la salle de trésor à ce moment-là. C'est pour ça qu'il faut des pièces partout. Du coup, je peux faire un truc là ou pas? Pas été là. Ouais, non, j'y ai pas été. Est-ce grave? Ah oui, c'est grave. C'est vrai qu'on passe à travers les plateformes. Je suis sûr, j'ai un truc. Hop, voilà. Fall Guy, j'ai testé vite fait le concept. Marrant, mais il y avait trop d'acharnés. J'ai essayé un petit peu aussi Fall Guys à l'époque. Je trouvais ça rigolo, mais bon, après. Là aussi, ça demande un peu de l'investissement, tout ça, et c'est du multi. Je suis pas très joueur multi en vrai, quoi. À part sur des jeux où vraiment. Je veux dire, je maîtrise bien, bah, je pense à Tetris 99, quoi. Il y aura un Doom 99, je serai dessus, quoi. Ou alors un Picross 99 comme je parlais l'autre fois. Putain, un peu casse-couille là, les passages avec les fantômes là. Putain, puis là c'est, ça a l'air d'être coton quoi. Comment je passe ça là? Parce que je peux pas descendre. Ou alors faut que je bourrine. Attends, ça. Ah bah oui, mais je rebondis. Ok. Non, ça marche pas non plus. Oh là là. C'est quoi cette purge là? Non, ouais, enfin c'était pas Mario 99, c'était Mario 25. Qui était sympathique, je crois que j'avais fait une vidéo là-dessus aussi. Pour garder un petit souvenir, quoi. D'accord, mais ça marche pas en fait leur truc là. Putain, je vais pas galérer une heure sur ce genre de truc, quoi. Et Pac-Man 99, j'avais beaucoup aimé aussi. J'étais pas très très fort, enfin je me débrouillais, mais. Mais bon, c'est. Je restais quand même sur le Tetris 99 au final. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y a encore des tournois. Enfin, des tournois, entre guillemets. C'est en fait. Faut essayer d'avoir 100 points pour essayer de gagner un thème. Un thème du jeu. Et je vois que ça a continué. Là, j'en ai fait un récemment. Toujours plaisant. Mais comment je fais pour lui, alors? Vraiment, quoi. Attends, si je vais tout à droite. Ouais, il me touche pas, quoi. Peut-être faire une save state juste devant là, parce que j'aimerais quand même comprendre. J'en ai un peu marre de faire le tour là. C'est incompréhensible là ce truc là. Parce que là ça passe pas là. Enfin. Ça passe pas si je me mets là. Ah si. Et je l'ai peut-être fait tout à l'heure en plus. Là c'est bon. Ok. Non. Oh, putain. Non, sans déconner. Ça me mène où ça? Ah, je me retape tout, ouais, non, non. Ah,
Putain, ils sont hors écran, tu les vois pas. Allez, c'est bon. On a passé ça. J'imagine bien. Ah, il est là. J'imagine bien l'écran précédent que tu refais à chaque fois que tu te fais shooter par le boss. Quand même. Putain, je peux plus le coincer là comme avant. Il y en a un genre. Il y a deux week-ends, ouais, c'est ça. Après, j'essaye de faire le top 1, mais là, j'ai pas réussi sur celui-là. Après, je suis un peu rouillé, hein, faut y jouer souvent. Mais déjà, arriver dans les 10 premiers, c'est pas mal, quoi. Dans les 10 derniers. Ah oui, non, tu dis en top 10 quoi. Top 1 est chaud, je comprends pas toutes les mécaniques. Bah, il y a des trucs, les test spins, tout ça là. C'est ça là, que tu. Enfin, je réfléchis pas à ce point là, moi non plus. Hein, c'est. Ça va trop vite au bout d'un moment. Il y a un moment où je suis en mode survie quoi. Hein. Je cherche même plus à faire des Tetris ou autre. Alors, ici. Première zone, utiliser l'hibou. Ok, donc c'est cet écran là. C'est cet hibou là, ok. Et c'est au-dessus. La porte est juste au-dessus apparemment. Donc il va falloir déjà que je vire ces blocs. Wow. Ah, déjà, ça veut dire qu'il va falloir que je me balade avec le hibou pour choper les pièces. Hein. Là j'ai zéro. Peut-être que le switch est là. Tu vas prendre les pièces. Ah, le switch est là. Ok. Oh non, reste. Putain, je savais pas qu'on pouvait le réveiller comme ça, quoi. Et le hibou, il se prend pas épique. Ok, ça, c'est cool. J'ai quoi? J'ai 29. Oh putain, je regardais la map. J'ai pas... Ah putain, le con. J'ai pas vu que... il y avait l'ennemi. Bon, bah, je suis pas mal, là. Ok, donc... C'était où l'ennemi? C'était là. Heureusement que les araignées tombent pas là. À la Wonder Boy. Hop. Allez, c'est bon. En riposte un truc genre... Ouais, pareil. Je fais pas les KO faciles, je sais pas. Je préfère la riposte, hein, parce que vraiment... Moi, je veux dégager les personnes qui m'attaquent, quoi. Et après, c'est la survie. Après, il y a la technique aussi. C'est de ramener le maximum de monde à toi, c'est-à-dire que tu... fais une méga tour où tu conserves tes barres et quand tu arrives tout en haut en fait bah, ça alerte les autres comme quoi bah t'es un KO facile quoi alors qu'en fait non t'as préparé tout le chemin donc les gars ils t'attaquent et quand tu te mets en riposte et que tu t'envoies tout le paquet bah t'as les chances de les surprendre parce que souvent c'est les newbies hein, qui prennent les KO faciles enfin newbies enfin, je comprends quoi et donc t'as vachement bien préparé ton terrain, t'envoies tout et souvent c'est tu les fous KO quoi. Parce
Parce que justement, ils s'attendaient pas à ce que tu ripostes aussi violemment, et eux, par contre, ils gèrent pas. Ils gèrent plus, quoi, à ce moment-là, quoi. Mais bon. Maintenant, il y a que des Japonais, ça marche plus, quoi. Ok, merci, chouette. Ah, mais c'est un niveau spécial chouette alors. Ouais, j'étais peut-être un peu gourmand là. Bon, de toute façon, tu le vois au pseudo, hein, parce que quand tu vois que des kanji partout, hein, tu sais que tu vas passer un mauvais moment, quoi. Eh merde, oh putain, oh, la punition. Ah ça je l'ai pris hein, la version. Enfin j'ai acheté la version de Tetris justement pour me faire un peu de ça. Puis bon, vu le temps que j'ai passé dessus, c'était mérité quoi. Tetris Effect, si j'avais joué sur PS4. J'ai pas accroché plus que ça. Enfin, c'est sympa, mais. J'y ai pas rejoué, quoi. Bon, tant pis pour les pièces. Hein. Ah, la sortie est là. Après, peut-être que j'ai mal testé le truc, j'en sais rien. Enfin, je l'ai fini, quoi, mais. Bon, t'es pas plus que ça, quoi. La version VR. C'est vrai que c'est sorti en VR, ça. Ah. On va le chercher, lui. Ça a foutu des blocs là, c'est bon ça? Il y avait une porte en bas à gauche. Je pense que c'est là d'où je venais, non? Oh, je sais plus, attends, je vois plus trop la gueule du tableau là. J'ai que la sortie en haut quoi, mais. Bloquer le chemin en fait? Je comprends pas. Attends, on va essayer là. Ou alors je me suis débloqué un chemin pour des pièces. Oh putain. Je regarde bien parce que j'ai l'impression. Ils sont pas là pour rien eux. Franchement, il y a ça à péter avant. Voilà, il y a un switch. Là j'ai débloqué le haut. Ah mais je peux plus y aller. Putain c'est pas clair. Bon, au final j'ai l'impression que le premier switch il servait à rien quoi. Parce que là je vais pouvoir passer normalement. Je sais pas si j'ai besoin de garder la chouette là. Dans le doute. Ah oui, mais je le voyais pas. Oh putain. Bon, c'est bon. Bizarre. J'ai pas compris les switch. Immergé dedans avec les musiques, les petits bruitages, ça rend le truc plutôt cool. Hop.
Peut-être que ça vaut plus le coup en VR, quoi. Ça doit détendre. C'est ce que je vois, quoi. Alors. Pour l'instant, je prépare le guide. Hop, milieu. 6, 8. 9, non, c'est un 8. Bon, on y arrive petit à petit, à plus que 3 niveaux. Porte 3 en bas au milieu. Porte 3. Putain, c'est quoi ce... Pourquoi j'ai mis ça? Derrière la porte numéro 3. Ah d'accord, c'est qu'il y a un truc au-dessus. Attends, ils sont fermés là pour l'instant. Ok. On nous fait croire qu'on peut sortir, mais non, faut changer les blocs. J'ai la flemme là, les petites pièces. Par contre, quand tu prends une porte, ça en ouvre une autre, c'est ça? 4 avec une grosse flèche qui va vers le bas. Putain, casse-toi toi. Putain, mais eux, je les aime vraiment pas, quoi. Toujours pas compris comment ça marchait vraiment. Le taper par en dessous, quoi. C'est le seul truc que je sais. Mais. Attends, hors de là. C'est juste une salle de pièces alors. Parce que là, c'est pas ouf là ce qu'il y a. Mais du coup, la porte suivante s'est ouverte alors. Je sais pas s'il y a un trigger quelque part. C'est très bizarre. Bah non, c'est le 5 là qui est ouvert maintenant. Et merci Choupi pour le resub. Salut, comment tu vas? En tout cas, il y a un jeu aussi que j'ai hâte de au moins montrer en live. Je sais pas si je le ferai en entier, ça risque d'être long et puis d'être l'enfer, mais après on pourrait jouer ensemble. Enfin ensemble, réfléchir ensemble, c'est Talos Principle 2 quoi. Je ferai déjà la découverte, ce sera pas mal. Et après peut-être de temps en temps en faire un peu. Même si je pense que j'aurais envie de le continuer de mon côté quoi. Talos Principle 2. Le espèce de portal like de ce qu'on fait Serious Sam. Ah bah ça s'est ouvert le 1 et je comprends pas comment ça marche là, le système des portes là. Ouais, Choupi, ça avance bien. Bah là, on est sur le dernier chapitre. Deuxième ou troisième niveau? Troisième. J'ai eu des petites difficultés par endroit. Bon, rien de grave, quoi, mais... Notamment dans ce chapitre, hein. C'est pas évident, là, entre les fantômes et... d'autres petites choses. Ça par contre c'est bien casse-couille parce que c'est long. Oh putain, ils en ont mis combien? Voilà. Et là il y a le bloc qui me gêne. J'ai toujours pas trouvé le switch pour changer les blocs. Ah putain, attends, ça se trouve. Ah non, mais ce serait la baise si c'est ça. Là, c'est la porte 3 qui est ouverte.
C'est la porte 3 qui est ouverte. Est-ce que c'est lié au nombre de pièces, là? Ça se finit par 3, donc c'est le 3 qui s'ouvre. Je suis en train de me poser la question, là. Alors attends, c'est ici que normalement qu'il y a... Voilà, ah bah en fait, c'est pas super planqué en fait. Du bruit infernal de ses ennemis, ouais c'est clair. Non ! Ah non, c'est bon. Le canard. Putain, je l'ai pas vu. Je dirais là, mais je suis pas sûr. Bon. C'était pas dans mon champ de vision. On a eu le Graal. Le Graal dans Indiana Jones. On l'a eu. Alors. Donc en fait, il y a quoi après? Pas de soucis, Roots. Hein. C'est très sympa d'être passé, d'avoir participé. Donc bon lurk à toi et bonne nuit. A bientôt. Sur place. À la prochaine. Oh putain, bon, là, je me fais défoncer, mais bon. Bon, bah ça aussi, il faut. Putain, mais. Mais non, mais qu'est-ce que je fais? Là, j'ai 8. Ça s'ouvre rien, ça, non? Attends, 4 et 2 se fait 6. Attends, comment ça marche là? C'est avec les pièces là, j'en suis sûr. Hein. Je comprends pas comment ça marche sinon les portes. Ah, y a pas de temps. On vient toi. Je fais comment là? Je fais un take damage. Voilà. Ah, le switch. Allez. Donc là, il faudrait que j'ouvre le 5. J'ai 9. Ouvre quoi 9? 2. 4. Non, c'est pas avec les pièces alors. Mais je comprends rien. Et les blocs. Voir, ça fait des triggers. Là, le fait d'avoir pris ces pièces, ça ouvre telle porte. Je sais pas. C'est vraiment pas clair. Cool, le 5. Allez hop. Putain. J'ai pas compris la logique des portes, hein, mais c'est pas grave. On a le trésor. C'est ce qui compte. Alors ici, 6, 7, 7, 8, 9, plus sur du 8 là. Bon, 2200 pièces, je devrais arriver normalement à faire les deux autres. Hein. Alors ici, il va falloir que j'appuie sur un interrupteur. Sans doute pour les blocs encore, puis c'est le deuxième écran en bas au milieu. Bon, on verra. Bah, ça doit être dur de devoir changer la disposition de ces blocs. À chaque fois, je crois que c'est des ennemis, les araignées, quoi. C'est censé être des ennemis, hein. C'est toujours des ennemis, les araignées, normalement. Mais je peux pas quoi. Ouais, normalement c'est en dessous là, c'est juste en dessous d'ici qui a la salle avec le mini-jeu. Je peux rien faire à part Spider-Man. Bien trouvé.
fait assez de portes. Pas que je me paume hein, par contre. Ça devient le bordel. Ah! Hop, ça s'est pris. Putain, par contre. Ah oui, par contre, oui, ça fait. Ça fout de l'obscurité. Très bien. Je crois que c'est là. Oh le con, merci. Attends, mais c'est que l'obscurité, c'est pas. C'est la lumière en fait, c'est pas les blocs. Si, les blocs aussi ont changé. Ah oui. Ça fait les deux alors. Alors non, je veux pas aller là d'abord. Ok, faut que j'arrive à descendre et aller à gauche. Ouais, encore les fantômes de mort là. C'est là normalement. Ok. Il nous montre plus le blob là, facile à trouver quoi. Fini cette période, je crois que c'est là, mais je suis pas sûr. Non, j'ai pas eu. Ok, c'était l'autre à côté. J'ai vu celui en haut à gauche, mais en bas à droite, non, à gauche, non. Allez, on y va. Plus qu'un trésor. Quel est le bon chemin, je sais pas. Je vais retourner à la porte là, puisqu'on a. On a réussi à avoir cet accès là. Il faut se transformer là. Putain, et au moment où je veux choper le fantôme, j'y arrive pas quoi. Est-ce que pour des pièces encore ? Fou. Ah non, c'est peut-être pour des pièces encore, mais il revient pas. Il est en bas, je pense. Ouais, mais en bas à droite, non, il y avait que des sous et le switch. Donc, non, c'est pas ici, il faut que je revienne au début. Quoi. Putain. Il est quand même plus labyrinthique celui-là, hein, je trouve, hein, ce chapitre. Oh, vraiment, on passe en dessous. Là. Casse-toi. D'autres. Vu qu'il y a plein de fantômes à gauche, je sens que c'est un chemin de l'enfer qu'il faut prendre. Quoi. Putain, il va pas pris une poudre ce con. Là non plus. Alors. Oh, ça va être chiant ça. Vite. Ouais, c'est ça, parce qu'en fait je pouvais pas revenir à cause d'un escalier à la con là qui s'était formé. Là faut que j'arrive à revenir peut-être au début. Parce qu'il y avait des blocs qui. Peut-être là. Voilà, c'est ça, avec la sortie. Je me rappelais pas que c'était la sortie, mais oui, je me rappelais qu'il y avait des blocs juste en dessous. Enfin, qui étaient pas en dessous d'une porte quoi. Nickel! Nickel, il nous reste un niveau.
J'ai marqué plein de trucs par contre pour ce trésor. Je comprends pas trop. C'est 2, 3. De toute façon, là on peut faire défiler 8 en 3. Ça peut pas être 8. Donc, dans la deuxième écran, deuxième zone. Des blocs mobiles. Attends, c'est quoi? On atterrit où? Activer un interrupteur en haut, puis en bas, puis à gauche. Puis en bas, puis à gauche, putain. J'ai peut-être galéré pour trouver le truc. Bon, de toute façon, j'ai marqué. Ah, j'ai marqué au deuxième écran. Attends, hop. C'est vraiment trop lent là. Le zombie. Oh putain, ils sont deux. Ah ouais, attends, mais il y a 50 000 portes quoi. Ah! Oui, alors attends, faut faire tomber ça. Ok, ça sert qu'à ça. Ensuite, j'ai dit en bas et à gauche. Ah, il faut que j'arrive à aller tout en bas, mais pour ça, il va falloir que je joue plusieurs fois avec des Switch. Putain, eux, ils sont horribles. J'ai tapé deux fois dans l'interrupteur ou? Possible. Alors bondissant sur l'ennemi. Ouais, c'est ce qui s'est passé. Non. Ok. Je suis sur le bon chemin, je reconnais l'écran. Par contre, j'ai pas de sous. Oh non. Oh non, putain. Tu passes pas là. Attends, il y a peut-être des sous encore. Ouais, là. Ah ouais, mais faut que je trouve un switch avant de le... Parce que là, il y a un trou qui passe le pont. Passe le pont et pour ça faut que je bouge les blocs alors. Ah, je crois que je me suis à moitié bloqué le truc là. Oh putain. Oh c'est relou. Top. Voilà. Ah ouais, mais comment je vais faire là en fait? Ou alors non. Peut-être activer un truc en dehors. Peut-être à droite là. Ah ouais, mais les blocs en haut ils vont... Non, je crois qu'ils se mettent en haut. Putain, cassé où? Là je l'ai activé. Bah non, je peux pas. Bah attends, ouais, comment c'est faisable leur connerie? Attends, y'a une porte cachée. Un truc en haut là. Alors, on croyait qu'on peut tomber. Je vais retourner ici. Est-ce que le fait d'être un zombie, ça va me permettre un truc, ça? Ah mais je peux pas sauter. Ouais, non, mais je peux pas sauter, donc non. Attends, d'accord, je peux rien faire, là. Ah si si, je peux faire un truc. Voilà, dans un premier temps.
peux atteindre ça. Là, il y a un switch. Attends, je suis obligé. Voilà. Merci. Ah, je commence les jeux d'énigmes. Hein. Ça commence là avec Wario. Là j'aurais un avantage là si c'était sur le tournoi de la tondeuse là. Ouais, ouais mais là j'ai. Non, enfin là je viens de perdre le temps là. Merde. Là je viens de faire une erreur là. C'est bon, le dernier. Le canard, pour finir. Ben voilà. Ça fait plaisir, le dernier. Alors je sais pas si on a accès au dernier niveau, si on a tous les trésors mais pas forcément tout le tableau, ou s'il faut forcément les deux. De toute façon, je vais faire les deux hein, bien sûr, mais... Je sais pas ce qui est obligatoire ou pas quoi. Bon là j'en ai vraiment rien à foutre maintenant de... Ah putain mais faut que j'aille réactiver, oh faut, faut que j'en fasse le truc en bas quoi. Salut la petite pelle. Comment ça va? Il faut les deux. Il l'a dit. Ah non, c'est que j'en sais rien justement. Attends, mais comment je fais en fait? Ah mais non, mais je suis con vu que j'ai inversé. Oh. Oh, j'ai tout bloqué quoi. Je peux aller direct là. Ouais, voilà. Là, il y a les blocs. Ouais, ils ont prévu tout. Ils ont tout prévu. Bon, ça... Hein? Ah, je sais pas, j'ai réussi à le faire disparaître sans me transformer quoi. Est-ce que tu le connais ce petit jeu, la petite pelle? Ah, boss! Ah bah oui, boss, oui. Bon bah boss. Boss où je vais rien comprendre, je sens. Sirup kidnappé. C'est marrant, j'ai l'impression que je peux pas me faire éjecter là. Oh, je me suis retourné avec un dash. Merde. Ah si, on se fait éjecter là, ok. Ah franchement il est cool quoi. Bah après je découvre les Wario Land. Le premier était vraiment cool, vraiment bien. Oh putain, attends, je reviens là. Oh c'est l'enfer, attends, s'il faut tout refaire à chaque fois. Un petit raccourci là, parce que... Attends, toi. Non. Je crois que c'est que pour des pièces. Hein. Oh putain, par contre, qu'est-ce que c'est chiant ça. Ouais, c'est des pièces, allez, laisse tomber. Ça, c'est l'exit. Oh, c'est-à-dire à chaque fois, il va falloir que je fasse ça, attends. C'est une blague. Non, peut-être que ça suffit si je laisse comme ça, là. Non, là, c'est bon, là. Ouais, c'est bon. Je pense que l'escalier, il va rester comme ça, là. Bon, bref. C'est bon, il est assez riche. Oh la vache, attends, mais... C'est Dragon Slayer, là, les réflexes, quoi. Est-ce que
que si je saute, je pense pas que le coup de tête ça marche, hein. Faut vraiment esquiver, faut que je sois en mouvement tout le temps. Ah ça c'est cool par contre, ouais. L'escalier est bien resté. Que je te laisse la main, Wynyard, là, pour ce passage. Je suis pas habitué. Ah, il faut 4 coups! Saloperie! Putain, il est trop speed là, à la fin là. Je sais même pas s'il vient sur moi en fait, je sais pas si c'est random. Si, il vient sur moi, j'ai l'impression. Il vient en diagonale, j'aime pas ça. Ah, c'est horrible quand il vient comme ça. Oh, pile au-dessus quoi. Je l'attendais en diagonale. Je crois qu'il faut que je fonce sur un côté là pour le dernier coup. Là. Il apparaît direct. Être en dessous de la table, je pense que c'est le bon truc. Putain, j'ai appuyé, putain. Oh, je suis rebondi. Aïe aïe aïe. Après, ça me fait toujours marrer quand même dans ce jeu que. C'est vraiment un des seuls jeux que je connaisse où tu ne meurs pas, quoi. Il doit y en avoir d'autres, quoi, mais comme ça, vous citez, je saurais pas vous dire. Ok, c'est bon. Voilà, donc c'est fini pour ce chapitre-là. On va avoir une fin, normalement. Et il nous restera un niveau. Le niveau final, où je sais pas trop ce que c'est, mais... On verra bien, et puis ça sera fini totalement à, à fond. Quoi. Donc ça, c'est notre dernier... dernier chiffre à deviner, donc là, je peux laisser tourner, hein. C'est un 3 ou un 7, ça va faire d'être un 7. C'est peut-être un 3 quand même. Ouais, non, attends, mais c'est un 3. Prince of Persia 2008, on ne mourrait pas. Ah, c'est vrai que t'étais toujours rattrapé par la fille. Exact. Enfin, si, attends, si tu crevais pas au combat. Et tu te battais contre des boss et... Tu crevais pas, en... tu pouvais pas tomber dans le vide, enfin crever dans le vide. Mais contre les boss, je sais pas là. Oh! Donc voilà, on a un écran de fin, ça je savais pas. Qui nous dit d'aller donc récupérer le trésor de Ciru. Perfect. Ah c'est beau, hein. Alors, vous verrez pas souvent hein, cet écran, profitez hein. Et donc, est-ce qu'il y a une fin quand même? Ouais, il y a une fin là pour le pour ce manoir. Donc, comme d'hab, on dégage Syrup et les sbires. Et en fait, je sais pas si c'est accessible ces chapitres lors de notre première partie, parce que j'ai fait l'histoire principale jusqu'au bout, sans chercher. Et peut-être qu'il y avait moyen de d'atteindre ces chapitres-là. En même temps, si, si, parce que j'avais testé tout au début, je m'en souviens, le truc de pas se réveiller. J'avais testé par curiosité et ça marchait. Donc si, c'est possible, je pense, de faire les chapitres secrets
avant de faire l'histoire principale. Le seul truc, c'est qu'on peut pas choisir son écran, quoi. Mais je pense qu'une fois que t'as fait un chemin secret, tu peux... Tu retombes sur la world map, quoi. Enfin, world map. Sur la carte, là. Enfin, vous avez compris. Donc là, c'était bizarre, la fin. Il faisait un rêve, en fait. Là, c'est qui? C'est Sirup, là. Bon, comme d'hab, un petit accélération. C'est quoi? C'est la cinquième fois qu'on se tape les crédits, ça va aller, quoi. Je fais gaffe quand même s'il y a un truc sympa à voir, quoi. Il y a des piafs maintenant autour. Mais jusqu'elle, elle va où là? Eh bien, refoutre la merde là chez Wario. C'est les piafs. Ah, attention. Les sbires reviennent. Je sais pas sur quoi il s'est cogné. Bah, bizarre la fin. On sait pas trop. Alors. Donc là, on va peut-être avoir un autre écran sympathique. Voilà, ça c'est joli. Donc. Voilà, le tableau des trésors, on les a tous. Ah, c'est joli, hein, c'est très coloré. Hein. Et donc. Bah là. Image finale, alors je sais pas, c'est une carte au trésor en fait. Il y a des croix en bas à droite là. Ah, puis ça c'est l'endroit donc des boss. Est-ce qu'il nous montre là en bas? Ah ouais, on a game et le niveau à droite. Ok, donc je vais faire le reset. Ok, donc je retombe là-dessus. Maintenant on m'indique où se trouvent les boss quoi, mais enfin c'est bon, on sait maintenant. J'ai juste testé game avant le niveau là. Je vais voir ce que c'est, c'est des petits jeux. C'est quoi ça? Flagman. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ça coûte de l'argent. Qu'est-ce que c'est que ce jeu? Merde, j'aurais dû regarder. Attends. Faire bas? Pourquoi bas? À droite, ok. Oh putain, d'accord, il a pas pris, je suis allé trop vite. Prendre son temps. Je sais pas ce que c'est les blocs à gauche, c'est peut-être le temps. Ouais, bon, c'est un jeu de mémoire, hein, c'est... là c'est bon, c'est mon max. Hein. On va peut-être s'arrêter quoi, c'était juste pour voir. Je vais quand même voir, c'est du temps ou pas là? Ah, c'est du temps ça. Ah, t'as du temps à chaque input. Ah ouais, t'as le temps de... C'est deux fois et en haut, c'est ça. Bon, ainsi de suite, hein, je vais me planter, on va voir. C'est un Simon quoi. Voilà, bon, essayez de me battre. Ça permettait de voir donc ce petit jeu quoi. Mais non! Oh putain! Bon attends. Voilà. Ça c'est Dr. Willy là. C'est la tour. Hein. C'est Rage Quit. Tu m'étonnes quoi, le speed. Mais attends, non, ça j'ai pas voulu par contre. Je remets, parce que j'ai appuyé sans faire gaffe. Ah bah d'accord, non, c'était la fin de la cinématique. Ok. Ah non, non, ça continue. Donc j'ai bien fait de revenir.
Donc là, il suit la carte au final. Je sais pas. Pour moi, c'est la carte qui lui indique l'endroit où se trouve le trésor caché. Mais alors, est-ce qu'on a besoin de tous les trésors? C'est compliqué, hein, cette affaire. Comment ça, Time Attack? Voler le trésor de Syrup. Le vrai chapitre final. Mon dieu. Pourquoi Time Attack? C'est quoi ce décor là? Il y a des oreilles. Je suis timé. Ah putain, je suis timé, oui. Vite. Ah, faut trouver le bon chemin là. Oh, faut trouver le bon chemin au pif comme ça. Casse-couille là, c'est quoi ce truc? Il faut combien de temps là? Oh putain, si jamais c'est compliqué, je me mettrai une map. Hein. Lui, il est chiant. Allez, descends! Ah mais putain, c'est dégueulasse ce décor. Il y a les bouches, les yeux. Ouais, attends. C'est chaud là de timer avec ça là. Puis j'ai pas envie de tomber là. Non mais attends, c'est super serré les sauts là à faire. La musique est cool. Les 5 sens, ouais, on est dans soleil là, à la fin. Faut aller descendre? Non, j'espère pas. Enfin, je veux dire rentrer. Oh, il fallait. Non, si, si. Oh putain, ah, il va être bien ce niveau en fait. Mais là, c'est mort, non? Faut finir en combien de temps? C'est ça qui me fait peur, c'est qu'il fallait finir en combien de temps? Putain, et puis faut se retaper ça. Ah, pas mal. Pas mal. Ça, je l'ai passé du premier coup. Mais attends, comment c'est faisable? Comment j'ai fait tout à l'heure? Putain, secours. J'hallucine un peu. Tout à l'heure, premier coup, sans réfléchir, comme d'hab. Et là. Lutte ultime, quoi. Je comprends pas, moi. Ça me l'a... Deux fois, là, ça me le fait ce soir, ça. Non, mais attends, c'est impossible, là, d'un coup. Ah, y a plus de caisse, si. Oh là là, c'est immaniable, en plus. Bon, bah, on va passer... du temps. Attends, non mais il y a un problème là, qu'est-ce qui se passe? Faut que je reset le niveau là? Non mais attends, c'est juste impossible! Bah écoutez, je vais faire un load state, je vais revenir au début du niveau parce que... Il y a un truc qui, je sais pas, qui a pas l'air d'aller quoi. Donc déjà, ça va reset le temps aussi. Et là, c'était assez hallucinant quoi. Là au moins, on revient avec un bon temps.
Oh putain, je l'ai oublié ce con. Ah d'accord. Faut attendre qu'il se place sur le bord gauche, mais vu qu'on voit pas de loin. Très bon level design, hein. Vraiment. Ah. Lâche. Non. Bon, vas-y, casse-toi. Ah non mais là je crois que je suis parti pour une grosse galère là. Ah putain merci. Ok. Et puis ces sauts là qui sont vraiment pas évidents. Non. Non mais je pense pas qu'il y a un... Faut finir en un temps record parce que... C'est juste à la fin ça va te dire en combien de temps t'as réussi le niveau. Le niveau de l'enfer quoi. J'ai fait quoi comme connerie tout à l'heure? Ah oui j'avais pas pris la porte. C'était juste ça ma connerie. Donc je prends la porte. J'espère qu'il n'y a pas trop de trolls hein, par contre. Il y a quoi là? Merci Gandalf l'aigri pour le follow. Donc à droite on peut monter. Là aussi. Attends, j'ai la flemme de passer tout ça. Hein. Je vais peut-être pas avoir le choix. Ah non, c'est bon, je passe. J'avais un ennemi au début. J'avais un ennemi au début, je sais plus. Oh, bon, attendez. Ça dure 15 ans là. J'avais un ennemi à gauche, ouais. Putain, c'est. Non, pas évident, hop. Je vais faire là. Ok, comme ça. On va voir au-dessus. Oh, c'est infâme. Ouais, ok. Je pense pas que c'est comme ça, mais bon. Oh putain, mais prends le pas. Il le prend. Salut Pradus. Ah bah ça va attirer du monde alors. Ouais, ça, il a l'air intéressant ce niveau. Putain, c'est comme ça qu'il faut faire. Ok, putain. Ah d'accord, il détruit pas les blocs. Normal ça? Ah merci. Vache! Il dure longtemps ce niveau parce que bon, si c'est parti pour 3 heures, c'est pas le bonsoir hélas quoi. J'espère que non quoi. Ok, donc la petite bestiole là va falloir s'en occuper là. Peut-être pour nous faire monter plus haut. Ici. Sauf que je vois rien quoi. Ça se fait que ça monte là. Ah, faut faire un truc comme ça là. Ah putain, d'accord. Ah c'est marrant ça. Enfin c'est marrant, ça va pas me faire rire longtemps mais. Ok.
maintenant. Non, c'est abusé. C'est abusé ce qui s'est passé là. Ok, c'est mort. 15-20 minutes, putain, d'accord. Ah ouais. C'était pas vraiment prévu. Calme, hop. Putain, c'est génial. Oh. Ah ouais, ouais, non, ça va être génial. Ça va être un délice. Pourquoi il prend pas parfois, ça aussi. Ça, je m'y attendais. Ok. Mais comment ça se fait qu'il y ait du monde qui arrive quand je suis sur ce niveau? Je comprends pas, quoi. En fait, les gens aiment vraiment voir souffrir tout le temps, quoi. Salut avec Tracer, je rigole, évidemment. Quoi? Mais pourquoi il l'a pris? J'en fais quoi? Ah, par contre, je vais y aller à safe state. Hein. Parce que bon, j'ai vraiment pas prévu de passer enfin, du tryhard sur Wario. Enfin, sur un niveau comme ça. Moi, je pensais qu'on allait être récompensé à avoir fait le 100% et pas un niveau bancal. De ce genre, enfin bancal. C'est très bien pour ceux qui veulent ce genre de challenge, mais là c'était pas vraiment prévu quoi. Pas en semaine en tout cas. Ah bah c'est surtout que je m'y attendais pas. Hein. Et pourquoi il le prend? Bon vas-y, ça me saoule. Pourquoi il le prend? Dans le gameplay que j'ai toujours pas pigé. Ma rage, bon, ça va, je suis pas trop rageux encore. Par contre, clairement. Ah, quoi, c'est... je m'attendais pas à ça, quoi. Je peux valider que ce que tu dis. Genre, tu vois, ce saut, bon, ça se fait, mais c'est chiant, quoi. Ok, c'est bon. Oh non, me dis pas qu'il va falloir sauter sur des piafs à l'infini. Je sais pas, on va essayer là, déjà. J'en sais rien, je monte. J'espère qu'il n'y a pas trop de portes troll non plus. Putain, ça marche. En tout cas, elle l'a bien putain, elle l'a bien caché, voilà. Planqué, je voulais dire. Son trésor, quoi. Après, c'est des match boosts là qu'il faut faire. Mais j'appuie sur le bouton de dash et il le lance pas quoi, c'est incroyable. Pourquoi ça passe plus là? Ouais, il doit y avoir une technique pour ça, mais... technique bourrinage, ça passe. C'est pas grave si j'ai plus de pièces. Ça par contre ça me plaît moyen, donc il y en a un qui me écrase, lui qui fait devenir normal. Je crois qu'il va falloir que je sois écrasé, ouais, okay, que j'évite toutes les larmes. Et que je rentre dans ce conduit, ça va être l'enfer je sens. Ah non c'est le gros qu'il me faut, voilà. On dirait un niveau chiant de Mario Maker. Je
Je sais pas, je vais essayer en sautant. Je suis un gauche-droite. Non. Ça, ça va être chiant à trouver. Hein. Mais je sais pas si je peux y aller direct. Ok, non, faut pas forcément aller dans le conduit. Ah, bizarre, ils ont pas fait dur là. Oh! Ah, il y a la tête complète. J'ai fait le con là. Oh putain, il. Hey, merde, tain, ça y est, cet ennemi devient chiant. Attends, va falloir que je rebondisse dessus là, il y a un truc à faire là. Par contre, merci beaucoup juste de mettre le raccourci à côté. Attends, mais comment ça va être faisable en fait? Parce qu'il lui faut, je sais pas, une dizaine de coups là, un truc comme ça. Il y a pas moyen de le faire tomber quoi. C'est pris le coup là? Attends, ça marche? Non. Non, je pense pas. Pire ennemi à tuer. Putain, je veux bien te croire là. Attends, c'est quoi la technique là? J'ai l'impression qu'il faut pas le faire tomber quoi. Faut essayer de le gérer, qu'il reste tout le temps ici quoi. Pour ça faut taper sur le bon côté. Non, j'ai fait haut. Oh putain, ouais, en plus il y a ça quoi. J'ai voulu faire haut, j'ai pas réussi. Je crois que j'ai le truc, mais... Non, pas là. Oh putain. Faut le faire en deux coups. Non. Faut le faire en deux coups. Putain, mais j'appuie. Ah bah là, je sais pas, il a pas voulu monter sur le truc là. Ok. J'espère que ça c'est pas très random quand même. Il monte pas, je comprends pas. Tout à l'heure, je l'ai fait au moins 5-6 fois de suite. Là, il peut plus. Putain, mais. Bon, bah, je fais de la merde en boucle. J'arrive pas le deuxième rebond à. Aller sur la plateforme. Ah putain, si, ça y est. Ah c'est bon, c'est moi qui faisais de la merde. Putain. Ah, je peux l'avoir. Oh oui. Ah, il restait qu'un coup. Je sais pas si c'était la bonne technique, mais ouais, j'ai essayé de le caler au milieu, quoi. Sauf qu'il fallait pas que ça déborde, là, à la fin, j'ai perdu le fil. Heureusement qu'il restait qu'un coup. Et que j'ai attrapé la pièce aussi. Et ben voilà, on a la vraie fin. Oh putain. C'est clair, merci beaucoup. Je m'attendais pas à un niveau. Bon, j'ai cheaté un moment, j'ai fait une safe state là, un endroit, parce que ça me saoulait de refaire tout le temps le même passage là. Mais ça va, je m'attendais à plus long.
je m'attendais à plus long, mais fallait être solide quand même. Là, t'as intérêt à savoir manier le Wario, hein, sinon, sinon c'est cuit, quoi. Bon, on a eu un gros sac, là, sans doute deux pièces. Allez, hein, pour la sixième fois, vous êtes contents. Vous avez peut-être pas assez vu, hein, ce générique. Enfin, c'est crédit, quoi. Avec la petite musique. Bah, profitez, c'est la dernière fois. Donc là, on a qu'un gros sac, hein. Y a pas les petits, là. On voit qu'il avait déjà ramené tout ce trésor, là. C'est la suite où il utilisait la carte. Oui, chouette. Non, ok, allez, je vais accélérer par un coup. Ah, là, c'est la chouette qui nous porte. Non, mais elle doit galérer, là. On voit qu'elle commence, ça commence à tomber, là. Ah, on la voit plus, Sirup. Oh, c'est dommage, parce que j'aime bien, je l'aime bien comme ennemi, finalement. Elle était dans le premier, enfin, c'était le boss à la fin avec le génie, là. Puis là, on la voyait souvent. Donc, dans le 3, ça va être complètement autre chose, quoi. J'accélère un peu, c'est bon, on a vu. Bon, je suis désolé hein, pour ceux qui sont fans de ce générique, mais enfin de ce crédit, mais. Moi j'ai eu ma dose quoi. Alors lui, hein, cet ennemi-là, qui a été finalement utile au tout dernier niveau. Ah bah pareil, c'est vrai que je suis déçu qu'il n'y ait pas de suite à Wario, quoi. Enfin, il y a les WarioWare, mais ça n'a rien à voir, quoi. Je veux dire, un vrai Wario Land. Bon, après, j'en ai encore plein à faire, quoi. J'en ai encore plein à faire, là. C'est le deuxième que je découvre, là. Enfin, le seul que j'ai fait, vraiment, en dehors des vidéos, c'était celui sur Wii, le Check Dimension. Sinon, le 1 et le 2, là, je les connaissais pas, et puis je vais sans doute me faire la suite, quoi. C'est sûr qu'à la fin, je vais me dire, putain, il n'y a plus de Wario, quoi. Ouais, je l'aimais bien, celui-là. Il faisait vraiment bien BD, quoi. Enfin, niveau les graphismes, je trouvais ça fou, quoi. Puis il était rigolo, quoi. Après, j'ai très peu de souvenirs, quoi, mais... C'est bien qu'il fallait secouer des coffres de partout. Oh, il est venu carrément dans notre château, lui. Et il se fait pas dégager, non? Alors, qu'est-ce que je vais voir, là? Le 101%? Non, ça reste sur 100%. Et là, on va... Ah, si, il y a le fameux stage. 13 minutes 9, bon écoute c'est pas mal. Ah j'ai une étoile, je sais pas si c'est bien. Il y a peut-être un autre stage si on le finit en moins de 2 minutes. Mais bon, ça ira. Ouais et puis bon bah là c'est de nouveau, on est coincé ici. Attends, je vais voir tout en bas ce qu'ils affichent. Ouais, non, là, cette fois, c'est la fin, quoi. Quoi, il y a toujours le trésor. Bah oui, mais de toute façon, il n'y a pas de trésor. Il n'y a pas de trésor dans celui-là. Il n'y a pas de trésor à trouver. Il n'y a rien de plus si tu le finis en très peu de temps. D'accord, ouais, c'est juste du speedrun, un peu, quoi. Et pas de trésor. Ok, donc là, on l'a vraiment fini à bah, 100%, on peut dire. Et bah, franchement, je l'ai beaucoup aimé, hein, ce Wario Land 2. Vraiment plaisant, j'avais un peu peur au début parce que bah, y en a qui le trouvaient dur ou autre. Et finalement il se fait bien. Il se fait assez bien. Bon à part le dernier stage, hein, faut être averti. Mais sinon le reste, franchement, c'était vraiment plaisant à jouer. Puis moi ça m'a pas dérangé le fait de pas crever. Ça permettait justement d'explorer tranquillement. Bon bah c'est juste face au boss hein, que c'est chiant parce qu'on est éjecté de l'arène, hein, mais c'est tout quoi. Bon bah très bien, bah écoutez, je vais passer sur la fin.